La nouvelle plateforme de dropshipping, concrètement, c'est quoi? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bah souvent, voilà, je parle depuis un certain temps d'une plateforme de dropshipping, celle de Bybloom. C'est vrai que ma dernière vidéo a fait polémique. Donc ma dernière vidéo a fait polémique. Pourquoi? Bah parce que je n'avais pas mis de lien vers cette plateforme. Et du coup, là aussi, je vais pas mettre de lien. Donc dis-toi une chose, c'est que si ça t'intéresse pas, bah, autant quitter la vidéo dès maintenant. Et sinon, bah, je vais te parler un peu plus de cette plateforme. Quel est l'objectif de cette plateforme? Pour qui est adressée cette plateforme? Et qu'est-ce que tu peux faire sur cette plateforme? Voilà. Donc je vais parler de beaucoup de choses. Déjà, pour qui est cette plateforme? Si tu es débutant, cette plateforme n'est pas faite pour toi. Encore une fois, pour moi, quand tu commences dans le dropshipping, il faut que bah, tu apprennes, que tu te fasses la main sur AliExpress et tes produits gagnants, bah, tu les passes, tu peux les faire avec Magdoom sur sa plateforme. Donc qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va te permettre d'améliorer le produit, déjà de le livrer plus rapidement, donc déjà c'est une bonne chose. Ça va te permettre de rajouter peut-être un logo comment ça s'appelle, sur l'enveloppe. Ça va te permettre peut-être de rajouter un CTA à l'intérieur pour mieux convertir pour vendre d'autres produits. Du coup, tu auras un packaging aussi de meilleure qualité, sans écriture chinoise, qui te permettra d'avoir une bonne expérience utilisateur. Pourquoi je dis que c'est pas fait pour les débutants? C'est parce que l'objectif de cette plateforme, c'est déjà de comprendre ce qu'est le dropshipping et de comprendre l'intérêt d'aller plus loin dans le dropshipping avec des produits de meilleure qualité et un service de meilleure qualité pour justement que ta boutique elle dure dans le temps. Les débutants, malheureusement, bah, il n'y a pas forcément un volume important, et surtout un débutant génère énormément de SAV, et le fait de générer énormément de SAV, Magdoom perd sa rentabilité à cause de ça, puisqu'il doit allouer énormément de budget à ce SAV-là. Donc voilà, pourquoi c'est pas fait pour les débutants. Après, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement pour les personnes en dropshipping? Ça peut apporter énormément de choses. Moi-même, je l'utilise et je vois le potentiel que ça a. Déjà, ça peut t'apporter, bah, voilà, le fait de livrer rapidement et d'être assuré d'avoir son produit en stock et expédié le lendemain. Ça, c'est une chose super, super importante, parce que du coup, tu peux, si tu en as envie, donner le numéro de suivi de suite, mais c'est surtout, tu as une garantie de délai. Et ça, c'est super important. Faut pas oublier que pourquoi aujourd'hui le dropshipping, c'est long, c'est parce que quand il y a une vente, le chinois lui-même va devoir acheter le produit à son fournisseur, et ça peut prendre plus ou moins de temps. Soit il en a un ou deux en stock et ça dépanne. Soit il y va tous les jours, donc il l'aura rapidement, mais il y en a certains Chinois qui vont gérer ça qu'une fois par semaine, ou eux-mêmes sous-traitent ça à leur comment s'appelle, partenaire de dropshipping. Donc c'est pour vous dire que eux-mêmes font du dropshipping avec vous. Dès qu'ils reçoivent l'argent, ils expédient directement à vos clients par l'intermédiaire d'une plateforme qui gère ça. Donc voilà, ça c'est super important de le comprendre, parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi c'est bien ce genre de plateforme. Donc comme je vous le disais, c'est déjà bien par rapport au délai de livraison, mais tout est customisable. Si demain tu as un produit gagnant et que tu veux mettre un stock tampon avec un emballage spécifique de ton produit, c'est possible. Donc c'est possible de le faire direct de Chine vers le client. Si demain tu vends, mettons, 30, 40, 50 produits par jour depuis la Chine sur un seul et même produit, ben Magdoom est capable de te mettre un stock tampon en France. Et du coup, ce même produit avec un délai de 10 jours de livraison, ben ça peut être raccourci à 2-3 jours de livraison. Donc ça, c'est quelque chose de super bien. Et ce qui fait la force de cette stratégie-là, c'est que bah, surtout, bah, tu peux mettre en place des bundles assez facilement. Tu peux, tout est synchronisé avec Shopify comme comment ça s'appelle, j'ai envie de te dire, comme Oberlo, etc. Mais
Mais voilà, le côté bundle, c'est bien. Tout recevoir dans un seul et même packaging avec une lettre ou un mot, ça c'est vachement bien. Le logo, c'est vachement bien. Et on a plein d'autres idées. Pour l'instant, il a mis ça en place. Je trouve ça déjà plutôt bien. Mais il y a d'autres idées de développement, d'autres choses qui pourraient se mettre en place. Mais ce qui est vachement bien, c'est que ça donne une image importante, ça crédibilise votre marque dans le temps. Parce que quand le client va faire une photo de votre produit, ben, il y aura le packaging, il y aura peut-être un petit mot, etc. Et ça, c'est vachement bien. Donc voilà, quand est-ce qu'elle va sortir cette plateforme? Ben, elle va sortir au mois d'octobre. Donc normalement, elle sortira au mois d'octobre. Et pour qui c'est adressé? C'est on est obligé de faire un choix, on est obligé de pas donner accès à ça à tout le monde parce que on veut y aller mollo pour bien faire les choses. Le but du jeu, c'est que tout le monde soit satisfait, etc. Et du coup, c'est les membres de l'Ecom Life sous certaines conditions, encore une fois, et j'aurai l'occasion de le réexpliquer, qui aura accès à ça. Encore une fois, voilà, nous on essaye d'innover. McDoom, c'est une personne de confiance, c'est une personne qui est là dans le commerce, qui fait du commerce depuis très longtemps, qui fait du commerce bien. C'est une des personnes les plus carrées que je connaisse et ça, Dieu seul sait que moi je suis pas forcément très très carré. Et lui, vraiment, c'est une force de la nature. Et puis même, il débite et surtout il voit loin. Il voit loin et ce n'est pas pour me déplaire. Voilà, si vous voulez suivre cette aventure, faites-le. Dans tous les cas, j'aurai l'occasion d'en reparler plus longuement au mois de septembre, mi-septembre, fin septembre, surtout fin septembre et le mois d'octobre, je vais commencer à bien en parler. Et voilà, et pour moi, c'est réellement après. C'est pas au début qu'il faut commencer par cette plateforme-là. Tu vois, j'aurais pu faire de la publicité pour lui, mais... ce n'est pas le but. Le but, c'est pas de lui faire de la publicité, c'est d'être honnête avec vous. Et pour moi, il faut commencer avec du AliExpress, puis basculer vers lui. Et pourquoi pas faire du stock chez lui et pourquoi pas après faire du stock chez Amazon. Voilà comment je vois les choses. C'est un cheminement logique. Et je pense que vous pouvez que cartonner en ayant cette méthodologie. Encore une fois, ce qui est super important, c'est d'établir une vraie stratégie sur du long terme. Et je pense que c'est ce qui marche. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager tout simplement. Sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !